Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, donc un haul Paris mode mais aussi action. J'ai vraiment pas trouvé énormément de choses, donc je me suis dit que je vais rassembler le tout dans une seule vidéo. Alors tout d'abord on va commencer par le magasin Paris mode. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un magasin de vêtements. Alors tout d'abord j'ai trouvé cette veste. Donc elle est assez légère et assez fine en fait. Donc elle est comme ceci. Voilà, donc il y a des tirettes dorées, toute simple hein. C'est vraiment pour mettre le soir en été quand il fait pas très très chaud, ou même en printemps. J'avais pas de veste de ce genre, donc son prix était de 14 €. Ensuite j'ai trouvé ce haut de couleur noire. Franchement il est hyper canon, j'ai vraiment flashé dessus. Je vais le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Donc en fait il y a des petites perles sur le dessus, donc ça permet de ne pas mettre de collier. Et les manches sont ainsi, donc c'est vraiment les manches, je les trouve hyper jolies. En fait il y a de la dentelle, elles sont ouvertes et on a de la dentelle, et au bout pareil, et c'est retroussé. Alors bien entendu comme ça vous n'avez pas trop un aperçu, vous voyez pas trop ce que ça donne. Donc je ferai des close-up pour que vous voyez mieux le rendu. Et son prix était de 17 €. Donc voilà. Ensuite je me suis pris, donc ça j'en cherche un depuis très longtemps. C'est un pantalon rose, rose poudré, qui est comme ceci. Franchement il est hyper canon, moi j'adore, ça fait vraiment habillé direct. Et le bas est ainsi, donc c'est retroussé. Et son prix était de 17 €. Donc c'est vraiment un prix correct. Moi j'adore. Avec le haut noir, ça fait vraiment hyper canon. Et pour finir, concernant le magasin Paris Mode, je me suis pris une robe qui est comme ceci. Donc le dessus est fait avec de la dentelle en fait, donc de couleur rose poudré, pareil, rose clair. Et le bas est quand même assez fluide, donc vous verrez bien, mieux bien entendu avec le close-up. Et son prix était de 19 €, donc ça va, c'est raisonnable. Concernant le magasin Paris Mode, c'est terminé, on va passer au magasin de chez Action. Alors tout d'abord je me suis pris ceci, ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je m'en prenne une, et j'en ai trouvé une chez Action. En fait c'est une garde-robe, donc ça permettra de ranger mes vêtements que j'arrive plus à mettre dans mon armoire. Je suis vraiment en manque de place, j'ai même pas de place pour mettre mes vestes d'hiver, donc voilà, ça tombe bien. Son prix était de 13 € il me semble, donc c'était vraiment pas très très cher. Alors je vous ferai une photo une fois que c'est monté, comme ça vous voyez mieux le rendu si j'y pense bien entendu. Donc ça, ça va vraiment m'être très utile quoi. Ensuite j'ai trouvé une petite balle d'activité, donc c'est pour les bébés hein. Donc là c'est à partir de 3 mois, donc ça j'ai pris pour ma filleule. Voilà, elle a 3 mois, donc ça tombe bien, en plus c'est pas trop trop cher, donc voilà. Et bien entendu j'ai pris quelque chose pour Mila comme toujours hein. Je lui ai trouvé ceci. Donc en fait c'est un tableau comme vous voyez. Donc c'est un tableau pour dessiner ou ouais, peu importe hein. Donc vous avez une face où il faut écrire avec un feutre, et l'autre face en fait c'est à craie. Donc nous pour le moment on lui donne que la craie, parce que le feutre elle risque de me casser la pointe très très vite. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, et son prix était de 8 € et quelques. Donc ça va quoi, c'était pas trop trop cher non plus. Après j'ai trouvé également deux autres produits de chez Action, mais ça je ne vais pas vous le montrer, tout simplement parce que j'ai l'intention de faire une autre vidéo avec. Sinon c'est ici que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Et sinon moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !